Il a 29 ans, c'est le fondateur et le CEO d'une start-up spécialisée dans l'analyse des données. Il a accepté venir aujourd'hui partager son aventure avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Believe in Africa. Nous sommes en compagnie de Philippe Kwaya, l'homme entrepreneur. Bienvenue, merci d'être là. Merci Ozane, c'est un honneur de participer à cette émission qui justement promeut justement l'excellence africaine. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases à nos téléspectateurs? D'accord, donc Philippe Kwaya, c'est un jeune Camerounais âgé de 29 ans, originaire de l'Ouest Cameroun, ayant fait ses études, j'ai été un SDF hein, dans les études secondaires, donc ayant fait des études au Collège Horizon, puis ayant un baccalauréat au Collège Saint-Michel, puis j'ai obtenu justement un diplôme d'études collégiales en réseautique et sécurité à IUC, Institut Universel de la Côte. Puis j'ai un bachelor. C'est à Douala. C'est à Douala, effectivement. Donc j'ai un bachelor en conception de systèmes d'information. Puis je suis allé poursuivre mes études en France pour obtenir un master en management des systèmes d'information. Et justement après justement c'est cette expérience là, enfin c'est différente ce parcours là, pardon. Donc je suis justement allé justement parfaire en fait mes compétences techniques en Europe. Dans des grands groupes, et puis je rentre au Cameroun. Donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à revenir au Cameroun? Vous aurez pu intégrer une entreprise en Europe et voilà, continuer là-bas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à revenir et à mettre sur pied cette entreprise au Cameroun? En fait, je ne pense même pas que la question du retour est vraiment à l'ordre du jour parce que quand je suis parti, je savais effectivement que j'allais rentrer. Donc c'est un peu la différence, c'est que quand je partais, je savais que j'avais un temps précis pour justement en fait accroître mes connaissances, acquérir justement toute une expérience et rentrer en fait mettre cette expérience là justement au service de la communauté. Donc je savais exactement que j'allais rentrer. C'est pour ça en fait que mon retour n'était pas si difficile que ça parce que voilà la question ne se posait pas. D'accord. Parlez-nous de vos débuts avant Philjohn Technology. Alors, faut dire en fait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc, j'ai créé ma première entreprise en 2012. J'étais en deuxième année universitaire. C'était Hope Music Group. C'est une entreprise qui est spécialisée dans c'est un label de musique, donc spécialisée dans tout ce qui est distribution musicale, protection de droits d'auteur. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on a travaillé avec des artistes comme Mike Kissou. Et puis justement pour apporter justement en fait toujours cette identité africaine là et justement valoriser en fait notre culture, c'était vraiment ça, valoriser la culture africaine en apportant en fait une touche de professionnalisme, parce que je m'étais rendu compte justement que dans le secteur de la culture il y avait beaucoup de potentiel mais c'était pas assez professionnel, donc il y avait pas vraiment des structures vraiment qui apportaient un suivi aux artistes. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé avec un groupe d'amis. Vous avez managé des artistes? Exactement. Donc on a managé des artistes, on a produit des artistes, on a fait la promotion pour beaucoup d'artistes à l'international, de Dynasty Lutik, Futuriste, wow. Fanico, on a travaillé avec Loco. Donc voilà, c'est vraiment ça, mais on fait plus un travail de background. Donc on n'était pas... alors on travaille avec des labels de musique, des producteurs. Donc on va peut-être travailler avec... Big Dreams par exemple, qui est justement forefront producteur de locaux, mais nous on est en back-end pour travailler sur la distribution, la promotion, les stratégies. Donc c'est pour ça en fait que Hope Music Group, si vous dites Hope Music Group, bon, les connaisseurs vont connaître, mais le grand public peut-être ne connaîtra pas, parce qu'on était plus dans le back-office, et voilà, c'est une position qui était pour nous la meilleure. Et c'est comme ça donc, partant de Hope Music Group, que j'ai donc construit justement cette expérience entrepreneuriale-là. Et puis quand je suis rentré au Cameroun, avec justement l'expérience digitale que j'ai acquérie, j'ai décidé justement de partir sur Philjohn Tech. Alors qu'est-ce qui explique concrètement la transition? En fait, il n'y a pas une réelle transition parce que Home Music Group est toujours là. Donc Philjohn Tech, c'est partant en fait d'un constat, c'est que justement j'ai une proche à moi, une tata, comme on les appelle toujours en Afrique, et qui en fait a une entreprise qui fait dans l'immigration, etc. Et mais qui aussi constatait en fait qu'elle avait toujours des pertes chaque mois,
des pertes d'argent à cause des vols, des tripatouillages dans l'entreprise. Et elle se demandait toujours, mais qu'est-ce qui se passe en entreprise? Pourquoi, en fait, je n'arrive pas, en fait, à maîtriser réellement mon activité? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, elle faisait beaucoup les lignes à l'extérieur, hors du pays. Et du coup, en fait, elle recevait des rapports mensuels où on disait, bon, voilà, tata, voici comment ton activité, ça se passe. Mais elle se rendait compte entre le rapport qu'on lui soumet et son compte bancaire, il y avait un ravin terrible. Donc, du coup, elle a dit, OK, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous qui êtes informaticien, là, machin. Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, pour m'aider à mieux connaître mon activité? Donc, c'est là qu'on a donc fait un audit. On s'est rendu compte que, effectivement, il y avait beaucoup de vols parce qu'elle n'avait pas de système d'information. Rien n'était informatisé. On faisait tout sur le papier. On écrivait là. Et puis, on envoyait au comptable, Donc, c'est ça, en fait. Et puis, donc, partant de ce constat-là, on a mis donc en place un système d'information chez elle et surtout un outil qui allait lui permettre de suivre son activité en temps réel. Donc, lorsqu'il y a un franc qui entre, même si elle est à Bamenda, même si elle est à Maroua, elle peut ouvrir son téléphone et savoir que voici un franc. Et ça, ça lui permettait justement d'avoir déjà un meilleur suivi. Ça a justement réduit considérablement, en fait, les vols dans l'entreprise. Tout le monde était un peu plus discipliné maintenant, vu qu'on savait que voilà, il y avait un process qui était à suivre. Et puis, au final, l'outil lui permettait surtout de comprendre, en fait, mieux son activité. C'est comme ça que naît Phil John. Exactement. Phil John naît justement de ce constat-là, de ce problème-là que beaucoup de managers et beaucoup de chefs d'entreprise propriétaires ont avec les activités, en ne pas connaissant, en fait, toute la largeur, justement, et la profondeur de l'activité. Ce problème-là, justement, 80% en fait des entrepreneurs et des entreprises au Cameroun l'ont. Donc, on s'est dit, si elle a ce problème-là, combien d'autres personnes l'ont? Il y a un réel besoin. Exactement. Et comment est-ce que on peut donc justement apporter une solution? Et c'est donc comme ça que Fusion Tech est. D'accord. Vous êtes spécialisé dans l'analyse des données. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux entreprises, je veux dire à vos clients? Alors, c'est exactement comme l'exemple de la tata que j'ai prise. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui a une activité. Une entreprise fait basiquement des rentrées et fait des dépenses. Absolument. Maintenant, beaucoup de chefs d'entreprise se posent la question, comment je fais des rentrées? Quand? Qui me fait des rentrées? Et pourquoi je fais ces rentrées, en fait? Et c'est ces questions-là qui permettent, en fait, à chaque chef d'entreprise ou un manager d'une activité, de prendre des bonnes décisions au bon moment avec la bonne information. Ça, c'est ce qu'on nous offre, en fait. C'est qu'on va dire, écoutez, nous, on vous met en place un outil qui permettra d'analyser, en fait, votre activité et de vous dire simplement sur votre smartphone, par exemple, que aujourd'hui, vous avez fait X nombre de chiffres. Pourquoi? Où? Comment? Qui vous a fait ce chiffre-là? Et ça leur permet justement de prendre des décisions rapidement. Ça leur permet de savoir que, en fait, la farine qu'on vendait à 100 francs à Bonaberry, on pensait que comme il y avait 100 clients chaque jour, en fait, non, on a moins de bénéfices là-bas qu'à Bonhomme, ça dit, où on vend par exemple 40 tonnes, par exemple. Donc ça, c'est autant de solutions qu'on apporte. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que depuis bientôt 3 ans que le projet est là, on a touché plusieurs secteurs d'activité, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les restaurants, les boulangeries même, que ce soit dans le secteur de l'industrie. Et tout le monde a généralement les mêmes problèmes. Wow. C'est ça, en fait. En tout cas, ce que vous proposez, c'est il y a un réel besoin localement. Maintenant, on a quand même encore un mix. Je veux dire, il y a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent à l'artisanal. Bien sûr. Avec des méthodes encore archaïques. Est-ce que c'est évident de passer du classique au numérique? Alors, tout changement, de toute façon, n'est jamais évident. Et c'est pour ça que la particularité, en fait... Est-ce qu'on a besoin d'une formation nécessaire? Alors, la particularité, ce qu'on propose, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire que si je prends le cas d'un de nos clients qui fait dans la vente de pièces détachées... D'accord, une quincaillerie. Une quincaillerie, par exemple. On va, par exemple, former justement le magasinier à savoir au moins ce que voici comment voici un petit ordinateur voici comment on rentre l'information, mais de manière simple. Le but, c'est que ça ne soit pas compliqué, en fait, de manière très simple, pour qu'ils sachent, ok, tel produit se trouve ici, je rentre telle information ici. Après, derrière, aussi en termes de rendu pour le manager qui veut visualiser son activité, c'est un tableau qui est simple. C'est pas un tableau compliqué informatisé où il faut des grosses compétences. Non, c'est un tableau simple, vert rouge. Quand il voit vert, c'est OK. Quand il voit rouge, c'est pas OK.
Il voit son chiffre, on dit 10, ça veut dire peut-être 10 000 ou 10 millions, mais c'est très simple en fait à la compréhension. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces entreprises-là avec des suivis mensuels ou trimestriels pour savoir toujours, ok, ça va, se passe bien, qui a encore des soucis, qui ne comprend pas ceci, parce que c'est ça en fait le réel change, c'est ça, le challenge, c'est ça en fait. En fait, vous faites de l'analyse, du reporting, c'est ça, et également du conseil. Du conseil, c'est ça. Et ce qui est très important aussi. À votre actif, quel type de client? Alors, aujourd'hui, on est à plus d'une trentaine de clients. Là, je veux parler de, est-ce que c'est les assurances? Est-ce que c'est les PME? C'est un peu divers, mais je veux dire que on a trois secteurs de prédilection aujourd'hui. On a la santé. On a la santé, on a l'industrie, donc ce qui est industriel. Et on a tout ce qui est entertainment, donc bon, Hope Music Group et tout ça, donc on avait quand même un portefeuille client qui était un peu là. Donc voilà, donc c'est les trois principaux secteurs sur lesquels on a le plus de clientèle, mais chaque jour justement, on évolue petit à petit vers d'autres secteurs. L'archive est une mine d'or. Vous avez mis sur pied en 2018 un système d'archivage, une application qui marche. Est-ce qu'il est possible, je prends le cas du Cameroun, nous tous, on sait que tout est encore sur papier. Est-ce que c'est possible, avec ce que vous proposez, d'avoir une forme de centrale où on pourrait avoir accès à des informations, à des données? Je vais prendre le cas, par exemple, il y a une enquête en cours. Moi, je suis la personne qui a des problèmes. On a une personne clé qui est censée avoir accès à une information. Il a peut-être besoin d'avoir mon casier judiciaire. Est-ce que c'est possible qu'une application comme ce que vous proposez vienne en aide dans ce sens? Je dirais tout à fait. Techniquement, c'est possible. Maintenant, pratiquement, pour que ça se fasse, il faudrait le concours de plusieurs différents paramètres. Si l'enquêteur se trouve à l'extrême nord du Cameroun ou au centre, je sais pas moi, il souhaiterait avoir tout de suite. Ça c'est possible. Ce n'est pas ça le plus difficile. En fait, la technologie n'est pas le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est la pratique avec les autorités administratives, par exemple. On a déjà eu plusieurs échanges avec les autorités à ce niveau-là. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Parce que justement, bah, il y a certaines lois même, parce qu'il y a les lois, la loi de l'an 2000 par exemple sur les archives au Cameroun, qui doit être révisée, etc. Donc il y a pas mal de paramètres non techniques à prendre en compte avant de pouvoir mettre ce dispositif-là. Il faut des autorisations sur l'utilisation des données, parce que ce sont des données. Pour pouvoir les données top secrètes, les données personnelles, parce que votre casier judiciaire c'est une donnée personnelle. Pour que une personne lambda ait accès à votre casier judiciaire, bah il faudrait votre autorisation déjà. Donc voilà, donc il y a des démarches en fait juridiques à mettre en place pour pouvoir en fait espérer avoir un tel logiciel. Mais techniquement c'est possible. Si on pouvait revenir là-dessus, comment ça marche? Alors, on parle de l'application. Alors, faut savoir que généralement, de manière basique, tout document peut être scanné déjà. Ok, voilà. Donc du coup, un document en fait passe par un scanner. Il y a des types de scanners à forte densité, donc qui peut justement scanner vraiment un nombre incalculable de documents par jour, peut-être 4000, 5000, 6000, 10 000 documents. Et ensuite, derrière, il y a l'application qui est reliée en fait au scanner. Et l'application donc permet donc d'avoir une configuration des types de documents. Donc, il peut avoir justement, ça peut être des contrats de travail, ça peut être des contrats de bail, ça peut être différents types de contrats, différents types de documents, qui peuvent être paramétrés à l'avance en fait. D'accord. Et ça se fait à travers une technologie qui s'appelle OCR. OCR, c'est une technologie qui permet en fait de lire une sorte de contenu document et se dire, ok, peut-être à l'en-tête, chaque fois que l'application détecte contrat de travail, ça classe en fait ce document-là dans la case contrat de travail en fait. Et derrière, donc, ça classe dans des dossiers qui peuvent être catégorisés par contrat de travail, etc., etc., etc. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça évite donc de manuellement avoir justement à imprimer, scanner, copier, aller coller ici, etc. Voilà. Donc déjà, on gagne beaucoup en temps. Et surtout que derrière, en fait,
ça permet d'avoir un répertoire de fichiers sur lequel on sait qu'on tape peut-être Believe in Africa et on nous ressort tous les documents qui concernent Believe in Africa, par exemple. Donc voilà, et ça justement, si vous partez dans une assurance aujourd'hui et que vous avez besoin d'une police d'assurance, vous êtes souscrit à cela 10 ans, avec une technologie comme ça, ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Même au niveau des médias, naturellement. Exactement. L'archivage, c'est assez important. Exactement. Donc voilà en fait toutes les possibilités qui en découlent en fait de cette application là et après même aussi il est possible de faire une cartographie des salles d'archivage parce qu'il faut pas oublier que les archives ont une durée de vie. Il y a des documents dont la durée légale c'est 1 an, d'autres c'est 3 ans, d'autres c'est 10 ans. Donc il faudrait quand même une salle d'archives physique pour pouvoir classer les documents. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut faire une cartographie d'une salle. Voilà, salle d'archivage A, si on retrouvait le document B, ça se trouve dans la colonne C et la rangée B, par exemple. Donc, ça fait en sorte que on a pu venir transpirer dans la salle d'archivage pour chercher en fait où se trouve le document, ou peut-être prendre le gros registre noir pour commencer à farfouiller, etc. Donc, voilà toutes les possibilités qui peuvent être possibles. En tout cas, merci pour ces précieuses informations. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. En lien avec la pandémie Covid-19, après réflexion, nous avons décidé de proposer quelques équipements que nous essayons de réaliser vraiment en accéléré. On a pensé à un portique de désinfection parce que la problématique de la désinfection telle qu'elle se pratique avec les lavages de mains, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous avons imaginé que pour des espaces comme les marchés, des espaces publics pour lesquels il y a un flux de personnes importantes, c'est peut-être mieux d'avoir un portique sous lequel passerait tout le monde et qui pulvériserait un désinfectant. Nous avons aussi fabriqué un autoclave parce que nous imaginons bien que dans les milieux hospitaliers, il y aura beaucoup de problèmes de désinfection. On a beaucoup d'équipements qu'on doit malheureusement devoir réutiliser. Et pour le personnel de santé qui est vraiment en première ligne, il faut beaucoup d'outils de désinfection. Le premier prototype aussi est très avancé. Et puis il y a le respirateur. Déjà, avant même le Covid, pour la couveuse néonatale, nous pensions avoir une version de couveuse qui puisse gérer les détresses respiratoires qui arrivent souvent chez les nourrissons prématurés. Donc nous travaillons déjà sur le processus de réanimation. Et à l'occasion de cette pandémie, nous pensons qu'il faut accélérer pour très vite avoir un respirateur, étant entendu que de ce qu'on voit, l'oxygénation, la respiration assistée est l'une des clés de la prise en charge des malades Covid-19. Ici, nous avons un prototype de respirateur artificiel qui nous donne la possibilité de régler 3 paramètres, le volume d'air aspiré, la vitesse respiratoire et puis la fréquence respiratoire. Donc à partir d'une tablette, le médecin peut également monitorer à distance le respirateur artificiel et contrôler les paramètres vitaux du patient. Alors, nous avons décidé de suspendre nos activités usuelles de fabrication de couveuses notamment pour se concentrer sur le Covid seulement le 22, c'est-à-dire ça fait environ 2 semaines. Nous avons travaillé 2 semaines à notre petite équipe de 7 personnes dans un contexte où il fallait se contenter des matériaux disponibles sur le marché. Et je pense qu'avec ce petit laps de temps, on a fait du chemin. Et quand on voit ça, on peut se dire en réalité que si l'Afrique mettait tous les ingénieurs africains d'ici et de la diaspora en mouvement pour nous sortir de l'économie de la brocante et des déchets, certainement nous serions émergents avant 2035. Nous avons un potentiel fou. Il reste aux Africains à faire confiance aux Africains. Il reste au pouvoir public à enclencher des mouvements structurants qui s'appuient sur les compétences africaines. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de M. Philippe Kwaya. On a regardé ces images avec ce talent, ces talents à travers l'Afrique en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19 avec les innovations. Je tiens à saluer déjà le génie. Voilà, si on revenait sur vous, comment est-ce que vous vivez cette situation? C'est une pandémie qui affecte grave l'économie.
Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous réorganisez? Vous êtes réorganisé au niveau de votre structure. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Alors, je dirais que déjà que c'est une situation qui est assez délicate, qui affecte tout le monde à tous les niveaux. Et déjà, les règles de base, les règles d'hygiène, déjà pour permettre justement de réduire en fait la propagation en fait de ce virus-là. Nous, chez Phil John aujourd'hui, je dirais que le petit avantage qu'on a, c'est que nous sommes une entreprise, une entreprise cloud. Les informaticiens. Non, même pas informaticiens. Je dirais cloud. Cloud veut dire que on est dans les nuages. C'est quelque part là-bas. C'est quelque part là-bas. Et ça fait en sorte que nous aujourd'hui tout le monde en télétravail. Donc les portes du bureau sont fermées et tout le monde travaille chez soi avec justement des outils collaboratifs en ligne. On a mis à disposition de chaque collaborateur un forfait internet. Pour pouvoir travailler et on fait justement des séances hebdomadaires, voilà, comme on le faisait en fait lorsqu'on avait des bureaux physiques. L'avantage vraiment c'est que voilà, dès le départ on était vraiment dans le télétravail, même si on était dans un bureau physique. En fait, ça veut dire que tout le monde a un laptop et peut travailler peu importe. Déjà que moi j'ai pas de bureau à Phil John, je suis un nomade, donc je suis un peu partout. Mais c'est ça en fait l'esprit. Donc nous en fait on est impacté parce qu'effectivement il y a la chaleur humaine qui se perd, donc on peut plus voir des collaborateurs pour discuter, pour échanger, mais sur l'efficacité du travail ça change pas. Et puis au niveau maintenant de nos partenaires, nos clients, c'est d'aller rassurer que écoutez, malgré la situation, on reste open. On est disponible et tout, et voilà. Et puis au niveau des collaborateurs, maintenant bien évidemment on fait des sensibilisations internes. Avant même de fermer les bureaux, déjà on mettait à disposition des gels hydroalcooliques au sein des bureaux pour que tout le monde puisse voilà quelques mesures qu'on a prises pour fighter à notre niveau. C'est vrai aussi qu'il y a des actions sociales qu'on a commencé à faire. Justement dans la distribution de certains masques, voilà. À notre petit niveau, on essaye vraiment de pouvoir en fait contribuer à réduire en fait la pandémie. Et vous protéger. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'état des lieux, parlons de data, au Cameroun voire en Afrique? Alors l'état des lieux au niveau des data, c'est un peu vague parce que les data, il y en a partout. Il y en a partout. Au Cameroun, en tout cas, je vais prendre le cas du Cameroun. Il y a l'INS, l'Institut national de statistique, qui commence à faire un travail remarquable. Mais même c'est pas encore comme on le souhaite, parce qu'en fait, au Cameroun, ce qu'on a besoin, c'est un open data. Un open data, c'est une plateforme en fait où il y a des données grandeur nature qui concernent en fait tout type de domaines, qui sont disponibles à tout le monde. Un peu comme l'exemple que vous avez pris tout à l'heure pour l'archivage du système. Bah, en fait, un open data permettrait, si aujourd'hui je suis un industriel qui veut faire dans le carrelage, par exemple, et que je veux savoir quel est le nombre de carreaux importés par an, normalement, l'open data me permettrait en fait d'avoir cette information-là et tout. Donc, pour l'instant, c'est pas encore ça. L'INS propose quand même déjà des solutions, mais on n'est pas encore là. Et c'est aussi notre rôle à nous de sensibiliser, que ce soit les autorités administratives, sur l'importance en fait d'une plateforme comme celle-là, mais aussi sur le secteur privé, parce que on ne va pas toujours attendre le gouvernement pour faire des choses. On peut s'organiser au niveau du secteur privé pour se dire voilà, il y a certaines données qu'on peut partager sur l'open data. D'accord. En 2019, vous avez lancé une opération de levée de fonds qui devait servir à lancer le premier data analyst center au Cameroun. Où en êtes-vous aujourd'hui? Sur la levée de fonds, alors je dirais que nous levons de fonds sur trois sources de financement. L'equity, donc qui est justement la prise de participation sur notre capital, qui elle est bouclée, donc à peu près de 138 millions. On n'a pas encore reçu l'argent. faut pas venir et tout, mais ce sont des deals qui sont déjà close. Maintenant, après, dans tout deal, bien évidemment, il y a la signature des contrats
Il y a des versements, maintenant il y a des échelons. Non, pas parce qu'ils ont dit 138 millions que. Il y a des étapes. Exactement. Les 138 millions, qu'on a déjà les 138 millions. On a déjà des accords. Certains ont déjà fait des versements, la plupart. Maintenant, surtout pour les gros investisseurs, ça prend du temps maintenant à ce qu'il y a du diligence. Il faut venir vérifier les petits détails, etc. Donc ça prend du temps. Mais sinon, pour l'equity, c'est déjà OK. Ensuite, on a 230 millions sur la dette. Parce qu'en fait, en levée de fonds, on peut lever des fonds sur trois niveaux. Ça peut être une subvention, donc où il n'y a pas un retour financier derrière, où celui qui subventionne, c'est plus pour un retour en termes d'impact. Ça peut être un impact socio-économique, ça peut être un impact culturel, etc. On peut lever en termes de dette, où justement c'est la dette comme tout le monde connaît. Donc on prête de l'argent, on met des intérêts sur un certain nombre d'années. Et la prise de participation au capital, où justement bah, on devient actionnaire en fait de l'entreprise. Donc pour la participation, c'est OK. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers sur la partie de la dette et la subvention. D'accord. Voilà, on est presque à la fin. S'il fallait passer un message à ce moment précis à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent par rapport à votre activité, un message personnel, je ne sais pas. Alors, je dirais déjà, vis-à-vis de la situation que nous vivons actuellement, vraiment, le Covid est réel. Donc, ce n'est pas une blague, c'est très réel. Je vous ai dit tantôt que nous sommes dans la santé, on travaille dans le digital de la santé, donc on est au courant de beaucoup d'informations vis-à-vis de cette situation. Donc c'est vraiment c'est réel. Donc prenez soin de vous, prenez justement toutes les mesures en fait d'hygiène, que ce soit à la maison ou si jamais vous sortez pour des besoins de nécessité, parce que c'est aussi ça. On peut pas tous faire le confinement aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de Camerounais qui doivent sortir pour manger, pour travailler, pour manger. Mais vraiment en sortant, prenez soin de porter des masques. Lavez-vous les mains, parce que en fait, n'oubliez pas qu'il y a des porteurs sains dans le Covid. C'est-à-dire que je peux être bien portant, mais je transmets en fait le virus. Donc vraiment, prenez soin de vous et de vos familles, et voilà, respectez les règles d'hygiène. Et si jamais vous avez des symptômes que vous manifestez, n'hésitez pas à vous rapprocher en fait des entités habilitées pour cela. Avez-vous des projets? Le projet principal aujourd'hui, c'est justement ce centre d'analyse de données-là. Nous sommes en train de le mettre sur pied. Et justement, qu'on appelle toujours à contribution pour ceux qui veulent investir dans le projet sur la partie dette ou subvention. Parce que quand même, c'est un projet qui permettra de former 500 jeunes par an et de toucher à peu près 3000 jeunes sur les métiers de l'éducation de la data. Donc ça, c'est un projet qui est très important aussi pour l'éducation dans le secteur des TIC au Cameroun. Et bien évidemment, ça permettra aussi d'avoir des outils qui permettront de faire évoluer le secteur économique au Cameroun. En tout cas, merci infiniment pour votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les jeunes comme vous, on admire. Nous sommes simplement en admiration. Je tiens à saluer le génie. Bien des choses à vous pour la suite. Merci. C'est un honneur. C'était Believe in Africa. On garde espoir malgré la situation actuelle. Alors on va simplement ensemble respecter les mesures d'hygiène et autres consignes. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.